Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans l'émission Au cœur de la campagne. Anoop Doukia à mes côtés ce mardi. Bonjour Anoop. Bonjour Ousaina, bonjour à tous. Une phrase, je suis graduée mais chômeur. C'est une triste réalité qui peut perdurer dans nos sociétés. Le taux de chômage pour cette année estimé à 6,8% et parmi ben chômeurs 41%, 4 lots 10 et n'a moins qui 25 ans. Dans sa campagne électorale, et n'a ben promesse création d'emplois qui fait pas tout ben parti et n'a fait lit de façon formelle comme à Pravin Jugnauth. Quand il a annoncé la semaine dernière qu'il est pour créer 10 000 emplois dans le secteur public pour les jeunes. Et Nafeli, quand elle fait porte à porte, mais Anoop, c'est souvent un facteur qui fait pencher la balance. Oui, Rousaina, chômage, création d'emplois, c'est un thème qui tous les temps servi dans comment ben argument électoral durant la campagne. C'est une façon pour vise ban zen, ban chômeur et surtout ban gradué chômeur. Selon le dernier rapport Statistics Mauritius, taux de chômage les 6,9%. Premier ministre autant fin souligner qu'il jamais taux chômage n'a pas fini aussi bas durant les dernières 17 ban années et qu'il prévoit qu'il peut baisser pour atteindre 6,8% d'ici la fin de l'année là. Taux chômage peut baisser d'année en année, nous devons reconnaître les, mais il y a des balles au bancif qui l'opposition met en doute. En 2018, ce mas titus 40 100 Mauriciens, soit 16 700 missiers et 23 400 madames. Un autre point saillant, Rousaina, c'est que nous devons reconnaître qu'il plus que la moitié se met pas inscrit dans le bureau de travail. À nous que ce mas côté banzen qui n'en resterait en hausse 0,2%, 6 lots 10 qui perdent de travail, fin complète, school certificate, c'est-à-dire ainsi, nous rappelle que le Premier ministre sortant fin annonce la création d'un National Youth Environment et que le fin prend l'engagement pour fournir 10 000 emplois à Banzan et diplômés dans un nouveau mandat. Évidemment, ce mas, c'est un thème qui tout le parti politique mentionné dans ce programme électoral qui se proposait. Est-ce que le gouvernement sortant fin réussi, accompli ce man promesse emploi et que combatte ce mas? Question qui nous permet l'eau la table, Zodi, dans l'émission Au cœur de la campagne. En studio ce soir, Sudesh Kalichun, ministre du Travail sortant, jeune candidat du MSM dans la circonscription numéro 5, Pamplemousse-Triolet. Avinash Manoa, chargé de cours, politologue, jeune candidat du MMM dans la circonscription numéro 10, Kirpip Midlands. Et Yannick Connette, ingénieur de profession et jeune porte-parole du PMSD. Messieurs, vous qui ne chômez pas en ce moment, bonsoir et bienvenue dans notre émission. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je me rappelle tout un auditeur qui est capable de téléphoner nous au 208-4999, 208-5999 pour poser une question au chômage. Et nous pour rappeler aussi un auditeur qui est capable de suivre nous en direct sur nos pages Facebook défimédia.info. C'est un débat qui pourrait avoir lieu ce soir avec Ben Reg, surtout en termes allocation. Les temps qui nous, bien sûr, nous demandent nous ban inviter et c'est respecté. Et Nuna, avec nous, le ministre sortant, le ministre du Travail, Sudesh Kalichun, avec nous, ou termine ou mandat avec sa chiffre. 6,8% de chômage, 4 lots 10 parmi là-dedans et n'a moins qui 25 ans qui ont réaction. Bon, l'année qui nous besoin tout rappelle 2008 quand il dérèglement la loi travail là qui tout finit commencer. Nous donnons 3 minutes pour faire ça. Ramassitanen, si un ministre dans l'alliance PTE-PMSD et ministre de Finances. Les commence dire à nous faire sentir. Commence dire à ben droit qui finit là pendant 1970 et subitement on trouve ben chiffre commence prendre l'ascenseur. Le taux de chômage, laisse-moi faire autre rappel qui avant 2008 quand même, nous tenons a un taux de chômage qui tourne autour de 7,2%. Par la suite, qui finit d'arriver. Quand il amende la loi, taux de chômage il continue d'augmenter. Livin 8%, 8,1%. Quand nous prenons le gouvernement, en 2015, il y a un gros travail qui finit de faire, nous comprenons le problème, nous finissons doubler les efforts, nous finissons mettre en place une formation pour capable adresser ce problème-là. Parce que, écoutez, nous besoin quand même ban jeunes être formés et nous besoin une création d'emploi pour nous être capable de diminuer sa taux de chômage. Là, vous êtes bien, 2015,
2015, il commence à baisser. Il vient 7,9%. 2016, il vient 7,3%. 2017, 7,1%. 2018, 6,9%. Et que là, pour l'année 2019, il arrive à 6,8%. Écoutez, moi, je peux dire qu'il est chagrinant que le gouvernement, parce qu'il travaille sur le PMSD, parfine faire à ses efforts. Pour vous pensez que c'est mission accomplie, je n'aurai 5 minutes. Je peux dire qu'il y a une affaire. Quoique, je suis satisfait avec le chiffre, nous ne recevons pas cela, mais je suis pas totalement satisfait parce que moi, j'ai envie que le chiffre lui diminue davantage. Nous pouvons faire un parallèle qui peut arriver au marché du travail. Et dans mon travail, si vous permettez-moi de nous un chiffre, connaît chaque année, depuis 2015 jusqu'à présent, fin record ban vacancies dans nous ban EIC's 2015 26,000 vacancies fin record 28,000 2016 2017 43,000 2018 45,000 mais qui fait ena vacancies qui rapporté dans EIC dans la presse si Marc travaille dans le pays cause ça me trouve ban étranger Pevin prend travail de ban Maurice c'est le thème qui nous pour aborder tout à l'heure donc où les temps fin terminé. Peut-être Yannick Connet, nous trouver le ministre Kalichun, puis c'est tout, l'oledo du régime, pour travailler sur le PMSD, c'est pas faux, fin finit un taux de chômage de 8% sur le régime travail. Donc, moi, pensez que la première question qui dit, vous devez comprendre, c'est qu'ils ont dit ce gouvernement-là, il peut donner un chiffre, oui, mais il peut faire tout un chiffre-là. Nous, nous avons des affaires bien simples. Le ministre peut dire nous, taux de chômage, il n'arrive 6,9%. Mais ce que le ministre pas venir dire, c'est que depuis sa gouvernement prend place, le nombre de djimoun qui peut sortir le labor force peut augmenter. Nous avons 24 000 djimoun en plus. Et c'est ça qui peut faire ce taux de chômage baisser. Je peux faire djimoun, je peux faire zen, n'est plus envie à retravailler. Je peux identifier le problème là. C'est qui gouvernement donc précédent qui compte tout du monde qui tient donc la capacité de rendre un travail comme du monde qui sommeille. Ça gouvernement là l'infer qui banne du monde qui pas intéressé au travail sorti de la liste là. C'est à cause de ça qu'il y a un taux de chômage qui baisse et le ministre pour annoncer bientôt et le qui quitte chose pour baisser encore. L'autre quitte chose encore qui plus intéressant donc de ça gouvernement là. Le premier ministre annonce qu'il faut créer 10 000 emplois. Est-ce que si nous guettons les chiffres, sa gouvernement a créé 4 990 emplois au total? Mon monde fait dire combien de vacances, fin record, dans ban EIC. Mais si c'est parti dans le travail, qui fait ban dimou n'a pas record sa ban vacances? Monsieur le ministre, totalement faux. Bon, laisse vous causer quand tu peux causer. Donc, laisse-moi compléter ce qui me tient pour expliquer du monde. Et. Comment le ministre peut dire 45 000 du monde, donc 45 000 vacancies il a annoncé. Mais nous avons 40 000 sommaires. Mais parce que nous avons sommaires dans Maurice, c'est 45 000 emplois. Nous avons 38 000 étrangers dans Maurice. Donc ce qu'ils ont dit, nous avons un plus gros problème. Le travail n'est pas valorisé. C'est ça qui est bizarre. Le plus gros action de ce gouvernement-là, c'est valoriser qu'il y travaille manuel ou travaille non manuel. Faire qu'un du monde. Quand il y a le travail, qu'il y a le travail dans le textile, qu'il y a le travail dans la construction, il est fier pour dire moi un maçon, il est fier pour dire moi un maçoniste, il est fier pour dire il y a un quality controller dans l'usine textile. Révalorise ça. Avant 2008, j'étais fier. Après 2008, qu'ils ont des plus fiers. À cause ça, mon dieu, retenir sa date-là, retenir sa année-là, 2008. C'est qui ou vous pouvez dire? Est-ce qu'ils ont dit les nougat du monde? Vous pouvez dire, donc les chiffres peuvent dire que 2008, les gens à la travail, du monde une perdu valeur. Mais qui fait aujourd'hui, nous cause combien gradués sommaires 4 ou 10. C'est dans chaque famille mauricienne aujourd'hui, il y a un gradué sommaire. C'est un échec pour beaucoup de familles.
il peut investir dans l'éducation. Ou le gouvernement fin perdi l'eau ça. Le gouvernement plus qui perdit, il perdit plus l'inavoué ban chiffre qui peut faire du monde quoi tout est rose alors qui tout est noir. Un gradué par famille, c'est la tine. Qui c'est la tine mettre sa mesure là? Un gradué par famille, qui c'est la tine créer une fausse université comme Elim University, une fausse degré tout ça là. Monsieur le ministre, vous pouvez annoncer 45 000 emplois. Travail, vous pouvez annoncer 45 000 emplois. Et dans 40 000 du monde qui travaille, on peut dire que nous venons avec un gradué pour famille, mais si nous avons du monde qui donne nous la possibilité d'implémenter tout ce qui nous peut faire. Nous pouvons laisser faire ce point-là. Pourquoi est-ce que le gouvernement finit de gagner le plan de chômage avec quand même un taux assez bas comparé aux années précédentes? Nous visons à comprendre les affaires. Le ministre Kalichun, il commence avec l'année clé 2008. Très bien. Nous bizarre rappelle qu'en 2006-2007, Maurice traverse un ouragan de la crise mondiale. L'effondrement nous passe très très près de l'effondrement de l'économie mondiale. Hein. Ben gros, la banque qui peut tenir la globalisation, il effondre, il fait faillite. Il n'est là, à partir de là, à une répercussion directe sur Maurice. Vous connaissez Maurice, nous, entièrement dans le monde, hein, et nous pas à l'abri de tout cela. Effectivement, le chômage est diminué, donc nous bisons à saluer lui. Moi, pas d'accord avec le ministre quand il dit que l'île prend l'ascenseur, non, l'île descend des perrons. C'est pas pareil. Mais moi, ça qui me tient content de dire, c'est que la guerre des chiffres, ok, nous dans un débat politique, et c'est comme ça que ça se fait, mais moi, je préfère cause des problèmes réels qui derrière les chiffres. La sociologie de l'emploi, c'est pas un chiffre. Et moi, je surtout préfère concentrer sur le chômage des jeunes. Un jeune sur quatre est au chômage. 40% est la moins qui 25 ans. Vous connaissez, ou finit l'école, ou à l'université, ou gagne un degré, ou un zen, ou on vit commence, ou peut commencer dans la vie. Le premier emploi pour un jeune, c'est le premier pas vers la liberté. C'est le premier pas vers l'autonomie. C'est le premier pas dans la vie active. Avec un emploi, ou bizarre capable, vie indépendant, ou bizarre capable, vie un pouvoir d'achat qui permet tout à ce la case, qui permet tout à un niveau de vie décent, qui permet tout marier et qui a une famille. Et quand nous trouvons qu'un jeune sur quatre à Maurice est au chômage, nous pouvons vraiment trouver que un zen l'eau quatre, puis on peut zot, puis déprive zot de zot liberté. Encore une fois, il y a une conjoncture économique, et si on ne parle pas trop pour M. Kalichun, il y a une conjoncture économique et sociale. Sa conjoncture économique et sociale, elle est bien, bien simple. L'économie pessanzée, la nature même de l'emploi pessanzée, l'automatisation du travail, la diversification des métiers. Nous plein là-dedans. Nous, l'économie est ouverte depuis le début des années 2000. Nos taux d'ouverture de l'économie mauricienne, ils dépassent 80% sur la mondialisation. Le tourisme, l'offshore, tout ça là, c'est une ouverture pour un nouveau métier. Et par rapport à ça, c'est la formation qui est bizarre à adapter. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'investir dans la formation. Mais quand vous gagnez l'audit du TI ici de 2008 qui dit à où, et Mopé cite lui hein, sur l'université de Maurice qui est le fleuron de l'éducation tertiaire à Maurice, The University of Mauritius has the potential to be considered irrelevant and self-referential in the eyes of industry, society and students. Plus grand l'université nous paye, ce l'audit vient dit à où, un audit indépendant, qui la formation in vin irrelevant. Ça veut dire, ou pial là-bas, ou pe gagne au diplôme, ou pe travaille, hein, mais sa diplôme-là, ou pas pour gagner un travail. Nous. Et là, nous pe trouver un local pour gagner un travail. C'est là qui vise à venir remédier. Nous pouvons le sujet gradué chômage dans quelques instants. Me rappelle nous peut cause le thème chômage cet après-midi avec nous le plateau le ministre sortant du travail Soudej Kalichun, Avinash Manoa du MMM et Yannick Cornette du PMSD. Nous prenons pause pub. Ce que je rêvais hier, je rêvais que je nageais avec les dauphins.
Voyages, hôtels, spas, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top, merci Défi Deal. Que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. Nous thème de ce soir dans Au cœur de la campagne, chômage. Avec nous le plateau, le ministre sortant du Travail, Soudesh Kalichan, Avinash Manoa du MMM et Yannick Connette de l'Alliance Nationale. Soudesh Kalichan, Azodi, Pepli Bonnet, Avinash Manoa, Tipe Djali, Tipe Kozlo, gradué chômeur. Avec l'annonce de l'université gratuite, est-ce qu'il n'est pas risqué envenime la situation? Bon, écoutez, moi, vous avez plein d'affaires. Là nous cause youth. Il faut 2-3 minutes. Là nous cause youth unemployment. Nous pénalisons gradués chômeurs là-dedans. Youth unemployment, tout ban jeune, à partir de l'âge de 16 ans, qui parle au marché de travail, zot considéré dans sa braquette de youth unemployment là. Bon, vous allez dire qu'il depuis 2010, ok, jusqu'à 2018, le chiffre fin tourne autour de 20 à 22%. On average. Alors, il n'est pas comme si sa gouvernement-là n'a pas fait non. À aucun moment, nous pouvons dire que sa gouvernement-là, c'est un problème qui reste entier. Vous connaissez le problème là-dedans. Nous pouvons identifier le problème. Et il y a beaucoup de jeunes qui paraissent poursuivre ce parcours académique à partir de Form 5. C'est-à-dire, vous faites le Form 5, vous retrouvez soudainement le marché du travail sans aucune formation. Le problème est réel. 20% de ban jeunes, zodi dans le pays, par récit, passe Form 5 et que retrouvent le marché sans aucune formation. En 5 ans, il y a une solution. Il y a beaucoup de solutions. Fin trouver, fin créer ban programme comme un NSDP, National Skills Development Program. Effectivement, fin paye ban dimoun pour suivre cours, gain certificat et acquis certaines ban compétences. Demander le marché du travail. C'est demand driven. Et nous mettons tout ça là en place. Et dans ban lycée, ban polytechnique, c'est-à-dire qui nous fin mettez MITD, pédon ban cours. Connaissez MITD, ce ban cours est gratuit. Iska NTC3. Alors, nous fin mettez un panoplie de mesures pour capable encadrer ça ban jeune là. Et le choix lit à zot maintenant. Parce que ce qu'il nous fait constater quand nous faisons mettre NSTP en place, nous faisons so far train 3000 jeunes. Nous tenons un target de 7000. Finalement, beaucoup de drop-out. Et nous avons fait je n'ai pas aucune volonté. Et nous avons fini, je commence ce cours-là. Après, là, je arrêté. Je préfère retourner dans l'informel. Et nous beaucoup de jeunes. Quand même, qui peut travailler. Qu'en est-il des gradués? Au reste 30 secondes. Bon, ban gradué chômeur, il y a beaucoup ban programme de formation. Yep, par contre, l'air fin introduit, yep. Il y a presque 24 000 jeunes gradués qui fin gain formation sous yep.
et 85% d'entre eux finent retrouvent un emploi permanent au Byzantin. Ni connect pour YEP, c'est une formule qui finit aide ban gradué chemin parce qu'il nous connaît au PMSD souvent je fin soulève la question au parlement. Oui, le donc YEP nous a pas oublié qui c'est Xavier-Luc Duval qui met ça en place. Mais bon, une question éthique dans la tête là, m'entend le ministre cause pour la deuxième fois. L'italien là, il fait dire ce gouvernement il identifie problème là, je t'ai tacle problème là. Là m'entend il dit nous bizarre issue problème là. Donc ce qui veut venir à William ce gouvernement, c'est un gouvernement catastrophe. Je parle oh, écoutez, ou non, au final, je parle non. C'est un même problème. Bon, d'accord, monsieur le ministre, identifié. Comment réfléchir à Resli à cause ça? Pendant qui vous me causez, mon pas interrompu, qui moi, qui mon collègue, nous respecter ou les ou en d'antenne, nous sommes contents qui aussi vous faire pareil. Allez, donc, comment moi, je peux dire, c'est qui au final, nous peut comprendre qui je dois coopérer. Mais quand vous trouvez solution, 5 ans passé, ban jeune là encore dans même situation. Je t'en cours pénal travail, je t'en cours sommet, je... le ministre qui annonce qu'il est en bas. Yannick Connet, selon Ben Chiff. Est-ce chiffre officiel, combien gradué chômeur nous est dans le ministre, oui. Tous les temps, nous cause gradué chômeur, ben chiffre officiel. Est-ce qu'il est là, monsieur Connet? You find employment qui annonce... Nous, mais t'as là, mais explique-moi, you find employment, les 16 à 35 ans. Ben gradué chômeur, est-ce qu'il est là un chiffre? Ou voir un chiffre ce soir. Ou voir un chiffre. À cause ça, moi, je peux dire. Peinard, chiffre gradué, peinard. Mais c'est responsabilité. Responsabilité au ministère. C'est monsieur le ministre. Bon, richesse, qui bizarre. Mais c'est complètement ça. La richesse. La licence du fait employment, l'y prend dans le panier. Est-ce que vous avez fait représentation pour Rodina, statistique de richesse, quand même, les bizarres faire ce qui. Ce travail était. Les bizarres identifier. La licence du fait employment, parce que sauf donc au final, vous avez là, vous pouvez comprendre 16 affaires. 16 à monter. Donc le ministre peut bizarre une émission nette pour venir justifier lui, qui ce gouvernement vraiment un gouvernement incompétent. Parce qu'il vient dire, moi, comprends, je dis, dit en tant que ministre du Travail, bon, pas s'interrompre ou pas interrompre moi, en émission de service, c'est qu'il vient demander moi, en vient fournir lui, si combien gradué sommaire il y a dans Maurice. Moi, je dis, vous pénez beaucoup. Non, ou pas avec un de la cible. Ou même vous dire, on pas connaître. Vous dire, on pas connaître. Donc la population mauricienne, bizarre, prend note qui, le ministre du Travail, à la nous donne l'occasion de respecter aux jeunes qui sont au chômage en résistant l'eau. Yep. Ok? Ban chiffre qui nous est ban jeune qui fin enregistré l'eau. Yep. 85% fin trouve. Et l'emploi. Et il y a un ongoing programme. Justement, moi, je peux. Il mettait. Sur Deschalifan, laisse-nous laisser Annie Connect faire ce point. Moi, je peux avancer ce chiffre-là avec vous. Quand même, 22 221 jeunes sont placés sous le Youth Employment Program. Oui, nous peut dire qu'ils placés. Mais combien ils ont full employment? Nous 85% là-dedans. C'est ce que vous pouvez dire. Par exemple, moi, je vous allez là, on annonce. Ça, un chiffre confirmé. C'est le ministre. Vous pouvez dire oui. Donc, au final, nous ne pouvons pas gagner un débat. D'idées, un débat civilisé, si à chaque fois qui moi ou mon collègue pour commencer à se causer ou pour interrompre nous. Donc, ce qui, là, nous peut dire qu'il y a ce qui savait bien confirmer que c'est une catastrophe, ce gouvernement-là, parce qu'il peut bien, comment nous dire des mots, ou bien arrêter pour dire six mots. Donc, il y a un problème. Donc, moi, on peut dire où c'est qui, ou si, qui vous peut donner, lui, basé loin une petite chose qui est bien simple. Moi, on peut dire où le nombre de personnes qui sans emploi, qui le ministère peut dire 6,9% en 2018, li basé sur le fait qu'il y a beaucoup de monde n'est plus intéressé à votre travail. Ou même vous faites dire en plus, mon papa invente la roue. Hein. C'est ou même une diète allé là, qui ou tu donnes une formation pour une jeune réal forme zut, et le taux d'échec du monde qui drop down beaucoup. Parce que du monde là, on vient travailler de façon informelle. Donc c'est qui le gouvernement là, pas réussi. Comment nous, de commencement, moi, dire, nous besoin revaloriser le travail, remotiver banzen pour qu'ils aient envie de travailler. Parce que si du monde là, peut faire un travail qui pour lui est dévalué par la société. Mais il y a un problème pour du monde là, il n'est pas senti utile. Nous besoin faire qui, et c'est ça qui l'Alliance nationale pour venir avec un programme bien défini dessus, comment nous causer le plan Marshall pour la jeunesse qui prend un coup pour redonner sa banzen là l'envie travail, redonne sa banzen là les ambitions qui sont vraiment légitimement bizarres. Nous pour revenir au programme l'Alliance nationale et plutôt Avinash Manoa, est-ce que vous pensez le YEP fait ses preuves dans Maurice?
Le YEF est lancé assez récemment et clairement, bon, il y en a 22 221 jeunes qui l'ont recruté. Le ministre nous dit qu'il y en a 85% pardon, de la donc gagne un travail full-time. C'est un pas dans la bonne direction s'il y persistait. Moi, me compte y croire que ce sont ces bonnes solutions. Mais nous visons une solution qui est beaucoup plus profonde que ça. Nous visons vraiment à attaquer le mal à la racine. Encore une fois, le problème d'emploi à Maurice est intimement lié à l'éducation, au système éducatif. Il est intimement lié à un nouveau mode, à une nouvelle sphère de l'économie qui peut ouvrir. Et par rapport à ça, nous système l'école, il est bizarre réadapter, il est bizarre répondre à ça. Parce que quand l'emploi... Et concrètement, comment faire ça, Avinash Manoa? Nous, dans nos programmes, nous proposons un overall de l'éducation à partir de la petite enfance. Nous publions très 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 rapidement. Demain, on a une réunion que nous pouvons finaliser tout. Et a priori, nous pouvons publier nos main points demain ou après-demain ou plus tard. Mais clairement, nous pouvons prendre la mesure que c'est un changement de société. C'est un nouveau pacte sociétal qui nous bizarre. Et que l'emploi se trouve au cœur de ça. Et que l'emploi l'ivine de l'éducation. C'est en revalorisant certains domaines de l'éducation qui nous poilent créer de nouveaux métiers. Nous pouvons permettre d'immune accès à d'autres métiers. Me donner un exemple bien, bien simple. Nous avons à Maurice beaucoup d'artistes, beaucoup de gens extraordinairement talentueux. Mais qui fait ce PACA, dès l'enfance, développe sa bonne talent-là. Des musiciens, des sportifs, du théâtre, de la culture en général. Maurice est pays multiculturel. Nous utilisons, ambitionne à travers nous l'éducation, développe l'économie de la culture et faire de Maurice un hub culturel pour la région. L'éducation permet de nous faire lire et le développement de ce secteur économique-là pour son rapporteur de très très grand, de beaucoup beaucoup d'emplois. Soudesh Kalichan, est-ce qu'il y a besoin d'y pas venir quelque part fausse là? Il y a beaucoup de parents qui ont dénoncé, fait une téléphone radio tout le temps, nous fait une tonne, que c'était une façon en boss en zen, l'eau en contrat un an après mettre l'idée. De nous, une minute pour répondre. Nous fait faire de sorte à ce qui, ben jeune, je gagne l'expérience dans le monde du travail. Nous fait introduire YEP dans le public sector aussi, parce qu'un jeune, l'infect finit l'université. Les rentre sur le marché du travail, il n'y a pas l'expérience, il n'y a pas comment marcher là, il fonctionne, il n'y a aucune compétence. Donner l'occasion pour gagner sa bonne qualité skills là, pour être capable de mieux former pour prendre un bon travail qui est disponible sur le marché du travail. Motina pour Diane d'affaires. Le MMM, à ce stade-là, l'IPVIN dit qu'il est pour sens le système éducatif. Mais pas changer, moderniser. Moderniser. Mais nous finissons faire lire tout le problème qui nous est là dans Maurice concernant le taux de chômage, est strictement relié avec le système éducatif, comment on bien dit. Le système éducatif actuel, l'étine adapté pour forme ban élite tout ça ban d'affaire là forme 5 HSC gradué mais nanye schooling quand nous fin introduire le nanye schooling nous capable faire un tri à partir de nous pourrait venir là dans un instant. Ministre Kalichan, si ou pas connaît combien jeunes gradués chômeurs et n'a, par contre, un problème qui nous tout nous d'accord là, c'est qu'il y a un problème de mismatch qui fait ben jeune pas gain travail quand finit l'université, c'est parce qu'il pas fin apprendre pas fin faire ben degré qui peut-être en demande. Nous pour cause là, mais nous pour marquer une pause juste avant.
depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquête exclusive, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Sur Radio Plus et Télé Plus. Au cœur de la campagne, Roseline Abigon, Anouk Doukia. De retour dans l'émission Au cœur de la campagne, Mora Pelounou, thème de ce soir, le chômage. Avec nous sur le plateau, le ministre sortant du Travail, Soudej Kalichan, Avinash Manohar du MMM et le porte-parole du PMSD et de l'Alliance nationale, Yannick Cornette. Nous sommes un petit peu plus bonheur au problème mismatch. Ban jeune qui gradué, mais n'a pas réussi à trouver un travail sur le marché. Comment régler ce problème-là et que le MMM qui peut proposer pour régler ce problème-là, Avinash Manohar? Alors, clairement... Donnez-nous 1 minute 30 pour répondre ça. 1 minute 30, voilà. Donc, clairement, Business Mauritius, il tire la sonnette d'alarme dessus et c'est aussi un constat de l'audit du Tertiary Education Commission. Comment vous pouvez dire d'aller là? Nous bisons créer un lien entre le marché du travail, le marché de l'emploi, avec l'université. Et il y a clairement un manque de communication, un manque de compréhension, un manque de dialogue entre ça qui est l'industrie, ça qui est l'employeur pérodé, et l'offre en formation. Comment nous pouvons faire ça? Encore une fois, nous pas pour dévoiler nos programmes ici, parce que nous avons un problème, nous avons une mesure choc qui peut venir. Nous ne laissons pas le Béranger. Voilà, exactement. Nous peut très 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 bientôt. On connaît tout impatient, mais ça peut venir d'ici 2 jours au grand maximum, normalement demain. Mais ça lien-là entre le marché de l'emploi et les offres de formation, c'est clairement pour moi, c'est là qu'il nous bisa capable d'agir de manière efficace. Mesure parle dans ce sens-là. Oui. Donc créer un lien entre l'éducation et l'industrie. Absolument, l'industrie, le marché de l'emploi et les offres de formation. Pour adresser le problème de mismatch. Nous bisa matchli et pour matchli bisa une conversation, bisa une échange. Yannick Cornette. Donc nous de nos côtés, il y a une question bien simple, c'est qui nous annonce déjà le plan Marshall pour la jeunesse. Pour qu'il donc nous cave faire un jeune travail, il faisait travail avec un esprit sain et tout ce monde d'affaires. Donc nous faisons prendre dans un cas vraiment holistique de tout ce, l'aspect donc pour jeunes. Mais nous pouvons aussi venir avec mise en place d'une chambre de métier. Donc qui est un peu rejoindre ce que mon camarade indien, c'est pour pallier ça mismatch entre les formations et l'industrie. Mais pour nous aussi l'aspect aussi qui m'a pas entendu le ministre cause dit tout, c'est qu'il y a aussi un problème de career guidance. Combien Zenzo dit qu'on est contre les bizarres aller pour les carrières l'information, mais qui m'a envie, m'a telle l'ambition, qui m'a besoin faire pour m'a atteindre l'ambition. Donc, comme on est là, on dit, nous besoin redonne à Banjon le goût et l'envie d'avoir des ambitions qui à la hauteur des autres espérances. Et pourquoi faire ça? Besoin d'un bon système de career guidance et qui nous pouvons venir avec lui pour permettre à un jeune connaître, voilà, dans Maurice Tena, tu as envie de venir un Dimoun qui
vin un pilote te bizarre à faire telle formation plutôt qu'à vin pilote te pour bizarre à suivre tel qui a ceci pour donner aussi bizarre une kitso parce que point du monde l'éducation on annonce l'éducation gratuite, l'éducation n'est pas totalement gratuite et n'a un coût. Donc ainsi nous bizarre qu'à explique du monde là le coût pour qu'à arrive à seule ambition nous pour donner sous des chaleurs 1 minute 30 pour répondre, qui fait par finir assez career guidance pour adresser ce problème-là et qui fait par finir établir un lien entre l'éducation et l'industrie. Moi, pour faire la population rappelle, surtout en 2017, nous avons voté la loi qui appelle le National Employment Act. Quand nous avons créé le National Employment Department et nous avons gagné beaucoup de l'assistance technique depuis Pôle d'emploi et l'Agence française de développement. Alors, ce qui ça l'agence là l'est appelée à faire, c'est exactement ce qui Banlap propose pour faire. Alors, pour tout ban acteur de l'économie qui peut siéger l'eau un comité et pour être un coup qui ban demande qui nous est là sur le marché du travail et faire de sorte à ce qui tout ban formation qui peut faire, je te faire par rapport à ban demande. Alors, le National Employment Department se tâche aussi, c'est pour faire sa matching. Nous finissons faire du progrès depuis le temps qu'il a voté. Bien sûr, nous finissons faire progrès. Nous finissons gagner assistance depuis Pôle d'emploi. Et que là, nous ready pour mettre en pratique ce qui nous finit dire dans la loi et mettre sur pied le National Employment Department. Si vous connaissez ces petites affaires, 6 mois. Allez, vous connaissez mon apprendre de la France, moi, je fais mon doctorat là-bas. Si vous payez l'aide depuis Pôle emploi, vous permet de sa méthode là ici. Excuse-moi, Banzen, on a de quoi être inquiet. Hein. C'est un désastre, Pôle emploi. Un désastre. Pôle emploi en France, la méthodologie, hein, il produit la situation de précarité qui est là-bas ici. Mais pas nécessairement Pôle emploi. Non, la méthode. Si vous permettez sa méthode là ici, vous pouvez augmenter précarité, Banzen. Méthode là, elle n'est pas pareille. Mais vous dire, ou payer les deux là assistance technique bah, c'est même qu'il y a une méthode monsieur le ministre écoutez, ça même non ça. Écoutez nous finir assistance technique pour adapter les à nous modèle qui nous est là actuellement mais le différence non il n'est pas différent monsieur le ministre vous pouvez créer précarité dans le pays monsieur le ministre pas précarité il est différent vous avez raison pas créer précarité vous pouvez accentuer précarité il y en a beaucoup de gens qui peuvent gadget le Facebook ce soir nous pour essayer de trouver une solution à ce problème qui ban jeune et là au final CAB presque tous les mardis et le mercredi on connaît plus grand problème qui est c'est peine à travail mais aussi ben membres de l'opposition souvent gagne ben représentation de ben famille est-ce qu'il y a une kiken pour capable faire gagner travail sous des conditions c'est un problème réel ben enfants ben jeunes peine à confiance dans processus de recrutement surtout dans la fonction publique comment le gouvernement pour amener comment ou parti pour amener plus de transparence dans le recrutement alors qu'au final again, la création de 10 000 emplois dans le secteur public again mon bizarre dire qu'il y a ne fait faire beaucoup d'efforts pour adresser le problème et qui fait un jeune il pas envie rentre dans le secteur privé. Deux minutes. Écoute-moi bien. Parce que tout ben du monde qui vient quitter nous dans Birocab, la plupart dans je travaille dans le privé. Et je vini, je dis comme ça qui a payé la sécurité d'emploi dans le privé, alors nous payons un travail dans le gouvernement. OK? Qui fait nous n'arrive ska ici. Qui fait Ou bureau CAB, il y a un travail dans le gouvernement. Tout du monde, tout politicien connaît effectivement qui passait dans sa pays-là. Les mots papés inventent la roue. Les affaires qui existent et sa mentalité-là fin créée par ban politicien. En perception qu'il n'y a pas de méritocratie. Et d'une grosse perception, effectivement. Moi d'accord ou et d'une grosse perception qui. Bien à guette politicien pour sécuriser un travail dans le public. Qui lit ancien gouvernement, qui lit ban gouvernement qui vient, personne pas capable de dire à moi là. Et pour adresser le problème, là récemment, on rappelle la motine avant la loi travail pour faire cette affaire qui appelle Portable Retirement Gratuity Fund, une réalité. Quand je tente service, il prend en considération, peu importe avec combien l'employeur je travaille, ça. Moi, nous au gouvernement,
nous et la full confiance qui la mentalité pour changer. Parce que écoutez, et n'a pas gradué quand même, je faire 3 ans d'études, 4 ans d'études, je préfère à faire un travail qui demande à Chelsea comme un clerical job. Mais qui fait on fait un degré. Vous connaissez comme application gagnée pour MSC ou par voilà, exemple. Qui fait on fait un degré si vous n'avez pas envie de pêcher un carrière dans filière qui vous fait faire ou l'étude. Nous vous imposons, il y a beaucoup de questions qui nous vous imposent. Nous, un débat, issues qui préparent, qui contribuent à ce problème-là, nous finissons. Régler dans la loi travail. Où les finissent les chaînes, Yannick Connet de l'Alliance nationale. Qui l'Alliance nationale pour faire pour une plus transparence dans le processus recrutement? Non, mais ce qui me frappe moi avant tout. 1 minute 30. À nous, c'est que le ministre vient dire à nous qui, dans CAB, je gagne un jour pour travailler dans le secteur privé, pour venir travailler dans le secteur public. Mais côté CAB, au final, nous avons un gros problème. Nous avons aussi, en plus d'avoir des chômeurs, nous avons des gens qui sont sous-emploi, qui sont underemployed, comme on dit en anglais. Donc nous avons un plus gros problème. Le problème qui nous peut trouver, c'est juste le sommet de l'iceberg. Et le ministre là peut confirmer, nous avons dit, l'eau au plateau. Il ne parle pas d'adier, c'est de tout mais, gouvernement mais ben, c'est qui demande d'emploi dans le bureau CAB. Oui, mais ce qui est plus grave, c'est que le ministre peut dire, des gens n'ont pas intérêt de travailler dans le secteur privé. Si nous avons un chiffre, nous revenons le bon chiffre, dans la période 2011-2015, il y a 12 800 emplois qui ont créé dans une large enterprise dans Maurice. Sous ce gouvernement-là, il y en a 5 894 uniquement. Donc, le secteur même, privé... Il y en a beaucoup de... Dans un comité pour mettre. Ou le terrain, on connaît qu'un tas jeune peut donner coup de main un politicien dans l'espoir qu'il gagne un job si parce sa partie-là remporte les élections. C'est une réalité qui ouvre. Il y a une réalité, oui. Du monde pensait qu'ils ont besoin de politiciens. C'est à cause de ça qu'ils nous peut cause. Redonne l'ambition à Banzen. Révalorise le travail. C'est la façon pour Banzen de gagner le travail, les besoins compétents. Nous pour la donc, méritocratie. Du monde qui a la qualification de gagner travail qui est mérité. Nous pas car le système pas pour continuer comme ça. Et sous ce gouvernement-là, pour moi, le ministre peut venir dire, lui, il reste trouvé, mais aucun mesure nous pas trouvé, il dit qu'ils ont été prêts pour essayer de corriger ça. 5 ans, il est là. Vous voulez terminer, Yannick, qu'on était peut-être à Vinach Manoir. Bon, pour éviter le sapin là, mais bon, tiens, comment réagir à un point que le ministre a soulevé. On a 2 minutes. C'est cette volonté de 10 000 jeunes de ne pas travailler dans le secteur privé et vin retravailler dans le secteur public. Monsieur Kalichon, il y a une réalité du degree holder aujourd'hui à Maurice. Et nous bien comprendre que le Occupational Work Permit, il y a un effet désastreux dessus. Ce que l'opéra de Diaou, c'est qu'à qualification égale, prenons un exemple bien ça. Qui a l'université à l'étranger, il a un degré, il a un MBA, disons. Et il fait la même chose à Maurice, un MBA. L'employeur pour préférer sa MBA à l'étranger là. Et l'employeur pour d'accord paye plus un étranger, parce que le Occupational Work Permit c'est 60 000 roupies, qui paye moins un Mauricien. C'est là que nous revient à sa question de la formation n'est pas adaptée. Et nous peut créer une situation que la jeunesse mauricienne peut pas payer le travail parce que ce degré pas payer donne lui ce travail-là. Comprends-moi bien. Nous pays, nous l'économie, il construire vers l'étranger. Tout mauricien vient depuis l'étranger. Nous bisons l'investissement étranger. Nous bisons les talents étrangers. Mais nous bisons donne, nous ban. Mauricien, la jeunesse mauricienne, les moyens de compete sur le marché du travail. Ça, c'est une chose. Par rapport à l'expectative pour travailler dans la fonction publique, nous comme perception qu'il y a un manque de méritocratie. C'est pas qu'une perception. Encore une fois, un premier ministre qui dit à l'emploi qu'il y fier, qu'il y pratique le népotisme. C'est pas une perception.
l'étudier ça dans le Parlement, il y a une bonne année à peu près. Ah bon? Oui, l'étudier lui. Reza Outim, nous commençons Reza Outim, il a pris sa question-là de la modernisation du Public Service Commission. Encore une fois, je ne pas qu'à dévoiler bonne proposition, nous pouvons ni, mais. C'est une affaire, qui nous bise absolument à dresser. Avant nous marquer une pause, 30 secondes pour vous, Soudesh Kalichun. Qui politique qui l'Alliance mauricienne peut adopter envers les travailleurs étrangers? Parce que ça, c'est le problème. Un tas de dans Maurice et dans Mauricien, il y a un problème qui fait amener les travailleurs étrangers qui peuvent envahir nos pays. Nous ne sommes pas capables de tuer l'économie. Ce problème-là, il y a un problème réel. Nous, tous nous connaissons, si peine un travailleur étranger dans le pays, nous pas boire, nous arrêter de gagner du pain. Et doucement, ben, les autres secteurs sont affectés par manque de main-d'œuvre dans le pays. Alors, si nous fermons la porte à ben, travail étranger, malheureusement, ce qui est arrivé aujourd'hui, avec tout le taux qu'ils finissent faire à la classe travailleuse, beaucoup de gens finissent perdre confiance dans mon travail manuel. Donc, pour vous, l'essentiel, quand tu gagnes un pourcentage, peut-être oui, un chiffre. Bien sûr, l'essentiel, parce que nous bizarre qui tout secteur à l'économie, l'y tourner pour qu'il nous amène croissance dans le pays. Si Mauricie n'est plus intéressé pour faire un travail manuel, nous pouvons avoir recours à un travail étranger. Donc, moi, je suis appris, franchement, vous dire, moi, je suis appris, quand le ministre vient dire, si Mauricie n'est pas allé faire travail là, nous pouvons amener. Mais trouve-moi 10 000 maçons demain. Mais mon place tout de suite. Monsieur le ministre, comment dire, si vous valorisez le travail manuel, le travail non manuel, ou donne ça travail là un statut. Pareil, comment allez là, mon camarade une cause loi des affaires, droit des artistes. Zone France. Dit artistes. Nous cause à nous cause zone France, à nous cause Bécry. Pour secteur construction, moi d'accord. Effectivement, nous pouvons créer chambre de métier. Pour effectivement valoriser sa main de métier là. Le ministre, vous pouvez dire encore une fois, pareil, comment t'as l'air. Vous avez l'occasion, vous prenez le temps tout à l'heure. Vous pas, il y a un respect pour qui ça dit vous respectez les temps. Nous voulons tout répondre à une question là, Yann. Pour moi, dire où c'est qui, vous pouvez dire, à route dans l'usine longtemps, madame, tu es fier quand je t'ai dit mon marciniste. Madame, tu es fier pour dire mon supervisor dans l'usine qui fait un travail là, tu es une valeur. Nous besoin redonner ça travail ce valeur. Et comment faire ça? Mais c'est quand nous prenons des affaires simples, c'est que nous besoin arrêter de dire que travailler l'usine c'est un travail dégradant. Nous paraît comment nous donner un dimoun pour y aller travailler, faire un travail, nous donner un certificat. Nous prenons un exemple bien simple, call center. Un dimoun pour y aller travailler dans call center, nous trouve beaucoup zen dans ce domaine là. Est-ce qu'il y a un diplôme qui valorise ce travail là? Est-ce qu'il y a une formation? Nous le finissons les faire au point avant nous marquer une pause pub avec Nachman Noah. Ou politique du MMM vis-à-vis le recrutement des travailleurs étrangers. Nous visons totalement réalistes. Le ministre, sur ce point, il a raison. Nous avons l'économie qui peut grandir. Nous avons une population qui peut vieillir. Et beaucoup de Mauriciens peuvent quitter le pays, pas peut retourner. Nous visons la main-d'œuvre, nous visons lié. Et pas que la main-d'œuvre au niveau des métiers de l'artisanat ou des métiers de la main, qui effectivement nous visons valoriser. Mais totalement d'accord avec ça. Nous visons dans tous les secteurs, dans tous les sphères de l'activité. Nous visons. Mais encore une fois, pour moi, moi, pas envie parle de préférence nationale, mais nous bisa donne les armes à tous les Mauriciens pour compiter sur le marché du travail. Nous donne l'économie libre de la libre entreprise et tout Mauricien bisa a les armes à compiter également avec ben les autres et faire le pays avancer ensemble. Vous êtes capable de téléphoner le 208 49 99 ou le 59 99. Nous marquons une pause.
Respect pour le journal Dimanche L'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial. Je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que de L'Hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donne des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Hein. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout mon camarade, hein. Toute la famille, mon fils, c'est juste acheté parce que ça dimanche, hein, mon bout dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui ne vont pas pouvoir rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche L'Hebdo, le must du dimanche. Pat, c'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spas, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques. Et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial. Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, même passer un bon moment en famille. C'est top, merci Défi Deal. Que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquête exclusive, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer. Tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens.
sur Radio Plus et Télé Plus. Au cœur de la campagne, Rosaïna Bigon, Anouk Doukia. Autant l'émission au cœur de la campagne, mon rappelou, nous thème cet après-midi, c'est le chômage. Je suis jeune, je suis gradué et jeune. Donc, nous pouvons un petit peu le bon chiffre. Il y a 23 000 madames qui sont concernées par chômage. Qui fait man madame gagne difficulté comme ça sous des Kalichen pour gagner un travail? Donne-nous une minute trente. Il y a plusieurs facteurs qui contribuent à ce trouve dans sa panier là. Ben madame, surtout, hein, j'ai une famille et quand je suis marié, j'ai besoin d'occuper des enfants et la plupart du temps, quand je finis avec une obligation familiale, je réintègre le marché du travail. L'évident problème. C'est pour ça, c'est pour ça nous mettons un programme qui appelle premier d'abord Back to Work. Back to Work qui permet à madame de intégrer le marché du travail, gagner une formation et en même temps vivre une entrepreneuse aussi. Et ça donne beaucoup d'opportunités pour réintégrer le marché du travail. Et nous pas besoin d'oublier aussi qui finit beaucoup d'exploitation aussi de madame par rapport à la paye. Pas besoin d'oublier ben madame cleaners qui paye 1500 euros. Nous voilà, nous là nous fin amène le minimum wage. Là nous trouvons que le taux de chômage parmi ben madame l'île commence à diminuer. L'île commence à diminuer, nous espérons que davantage de ben madame pour intégrer le marché du travail parce que nous paye valorise ben madame. Nous paye faire autre vin ben entrepreneur. Nous paye donne autre ben facilité comme ban loan sans garantie pour être capable de même créer l'emploi dans sa pays. Avinashman Noa, une indication, l'eau mesure pour adresse chômage surtout chez les femmes. Rosaïna, et bien évidemment qui c'est un concern qui nous est là. Encore une fois, le ministre a raison. Il y a ban barrière entre hommes et femmes qui nous bizarre apprendre combattre. Maurice est une société moderne qui bizarre encore plus moderniser. Et l'émancipation de man-femme est un enjeu majeur, et c'est un enjeu qui clairement passe par l'emploi, passe par l'entrepreneuriat, passe par l'empowerment. Et là, nous devons reconnaître qu'il nous fait beaucoup progrès depuis quelques années, et il y a encore beaucoup qui s'osent pour faire, mais nous devons aussi revoir comment justement, dans la société mauricienne, le regard, les préjugés, l'esprit patriarcal, l'Oban Madame, les violences aussi envers les femmes, hein, parce que l'emploi, le travail, c'est une chose, mais le regard des femmes, les discriminations, les féminicides qui n'en a récemment. Donc, par rapport à ça, nous en a beaucoup, beaucoup, beaucoup progrès pour faire. Et l'emploi se trouve au cœur de ça, parce que l'emploi, c'est la liberté, c'est l'empowerment. Bien évidemment, tout ça, dans nos programmes, nos camarades chez la Benoirie, ils adressent tout ça, ben, les choses. Yannick Cornette. Donc, me rejoindre un peu, nous, des camarades, le fait qu'il nous besoin de la femme se valer. Et nous besoin pas oublier que plus que 50% de la population, c'est une madame. Donc, si plus que 50% de la population, ce taux de chômage reste haut, mais la société là pas pour fonctionner, l'économie pas pour tourner. Mais il passe aussi pour les autres problèmes. Le travail égal, salaire égal. Et ça, c'est une question qui nous peut adresser. Et nous besoin aussi. Vous pouvez dire l'Alliance nationale. L'Alliance nationale. Annonce qui peut être Equal Pay. L'Alliance nationale pour venir avec un programme pour permettre de valer travail tout du monde. Qui du monde là, peu importe. Pour nous besoin arrêter la discrimination par rapport au sexe. Qui ou une madame, qui ou un monsieur, quand vous faites un travail. Si vous êtes un cleaner, vous pouvez gagner la paye. Cleaner. Vous pouvez prendre l'engagement au nom de l'Alliance nationale. Donc, c'est qui l'Alliance nationale pourrait donner valeur à tout travail. Et pour Equal Pay pour hommes et femmes? Dit, pour une question qui peut venir automatiquement. Dans le programme électoral. Vous pouvez venir atteindre ou vous avez un programme où vous trouvez. Rosaïna, mais nous devons faire lire pour le fait que vous tenez la loi, le Workers' Rights Bill, déjà là-dedans. Alors, le problème finit adressé. Alors, les même l'Alliance nationale, il n'est pas servi là, parce que nous, au sein du gouvernement, nous ne finissons pas.
Mais nous bien aussi. Vous croyez que c'est un problème là pour régler en passant cette loi parce qu'il nous connaît qu'il y a plusieurs lois qui sont pas respectées par les employés. La loi là, nous ne met pas de provision sévère contre ben, l'employeur qui pas respecté, qui fait ben, discrimination. Et mauvais un il faut bien déterminer que c'est une forme de discrimination. Of course, equal work for equal pay pour tout le monde dans ce pays-là. Qui ou madame, qui ou un dimoun autrement capable, qui ou un adulte normal. Donc, le ministre aime bien empiète sur mon état. Donc, pour me compléter ce qui m'a dit, c'est qu'il aussi, nous ne devons pas oublier que pour que madame ait un travail, bien aussi qu'il y a un secteur économique qui peut fonctionner. Nous avons le secteur touristique qui emploie beaucoup, madame. Nous pouvons donner aussi la parole à un auditeur, mais aussi à un auditeur, il y a beaucoup qui souhaitent nous dire. Nous pouvons avoir une dernière pause pub et nous pouvons prendre un appel. La pub. Sur Radio Plus et Télé Plus. Au cœur de la campagne, Roseline Abigon, Anouk Doukia. Parole à ban auditeur à présent, nous elle retrouve Pervez de Morcellement Saint-André. Bonsoir. Bonsoir les invités et bonsoir animateurs de radio. Et aujourd'hui, moi j'ai la détention pour Sud-Est Kalichan qui récit un MOU au niveau Bangladesh, au niveau de l'autorité Bangladesh. Parce qu'il est tout beaucoup de travail à Bangladesh, qui suit dans l'actualité, ils ont des problèmes au niveau du recrutement et de l'argent. Ils prennent certaines sommes d'argent. Et jusqu'à l'heure, ils ne trouvent aucune enquête. Est-ce qu'il, depuis maintenant, ils ont ouvert l'enquête pour connaître qui sont recrutés à Bangladesh, qui sont dans ce ministère, qui demandent mal de nous. Merci. C'est problème, bon, problème recruteur et ban travail étranger, il y a un problème qui finit là tout le temps. Nous, au sein du gouvernement, nous finissons quand même faire beaucoup d'efforts. Je veux bien dire, nous ne faisons que signer un MOU avec Népal, quand nous finissons mettre en pratique ethical recruitment practices, comme on appelle les, là-dedans. Et c'est le principe de employer pay, c'est-à-dire travailler là, les pas payer en dessous. Le même principe. Nous travaillons dans le MOU qui nous pourra signer avec le gouvernement bangladais. Le ministre Tipouvini, le 3, malheureusement, pour une raison personnelle, il n'est pas venu. Et il est dans l'intention, Vini, ça moi là, c'est qu'il m'en apprend, Zodi, il est en Abu Dhabi, il pourra passer Seychelles, et il y a une grande possibilité, il n'est pas venu. Le MOU est prêt. Donc, si on remporte les élections, peut-être, ou avec notre collègue... Même si mon épli dans un ministère-là, le ministre qui pour... C'est ce qui m'a tué à l'aise. C'est de moi.
Le MOU est prêt. Lissili. Nous prenons un deuxième appel. Nous allons en direction de Vakwa Chabnaz. Bonsoir. Bonsoir, Ben FTA de plus. Nous, ma question s'est adressée à l'ancien ministre du Travail. Mais j'ai envie de connaître l'effectivité du Employees Workers Bill, s'il vous plaît. Merci. La loi finit proclamée samedi, madame. Et elle pourra être en vigueur le 24 octobre. C'est-à-dire, tout le monde qui est là. C'est-à-dire une trentaine qui est concernée, les pour prendre son application le 24 octobre. En ce qui concerne le PRGF, Portable Retirement Gratuity Fund, nous pouvons mettre en place ce système informatique. Ça, les pour prendre effet à partir du 1er janvier. Direction Roche-Noire pour nous retrouver Chouven. Bonsoir. Allô, bonsoir. Et ma question, c'est le gouvernement qui est allé, qui est venu, mettre plusieurs mesures en place, nous connaissons Xavier Duval, le gouvernement qui mettait question YEP et FPM, mais malheureusement, dans 15 ans d'existence dans le gouvernement, il n'y a aucune mesure qui est propre pour une personne en situation de handicap qui est qualifiée, qui a la compétence, apporte le 3%, mais qui est visible, viable, là, comme ça, là, mais bien vague. Et qui s'est proposé apporte qui, comme on dit, tout une bite dans la bouche, qui s'est proposé en termes de mesures concrètes, mais c'est sur la situation de handicap, que je termine indépendant, je termine travail, contribuer à l'économie mauricienne. Merci. Merci pour l'appel. Nous donnons 30 secondes à chaque invité pour faire le point, l'employabilité de ben personnes handicapées. Bon, nous avons un quota qui est en place pour le recrutement de ben personnes qui ont un handicap physique dans le privé et aussi dans le public. Tiena, le Employment and Disability Board qui t'y met à pied pour get un coup de comment capable venir en aide à sa personne là, à sa bonne personne là. Et un gros travail qui peut déjà faire pour employabilité de sa bonne autrement capable là. Et moi, so far, nous satisfait parce qu'il y en a quand même beaucoup bonne personne autrement capable qui ne trouve un emploi. L'inclusion de tout ban mauricien lit une priorité pour le MMM. Ici tous une priorité pour le MMM. Depuis 50 ans, le MMM, la guerre, l'eau là. Le travail des autrement capables lit bizarre encadré. Nous bizarre vraiment comprend que c'est pas possible qu'il y ait un autrement capable, qu'il n'y pas qu'à aller vers l'autonomie. Clairement, nous pouvons une bonne mesure. Encore une fois, vous pas qu'à dire, vous bien sourire, mais chez la bonne mesure. Yannick Connet. Donc, pour répondre à ça, auditeur là, c'est que quand même, nous pouvons cause, comme nous me dire, nous mettre en place une structure pour permettre la formation, donc chambre des métiers, etc. Lui inclusif, nous pas pouvons cause lui en termes si pas du monde là, lui valide ou non valide, il y a un handicap ou pas. Tout du monde, nous devons faire tout du monde. Comment nous dire, crée l'ambition, donc donne l'envie au travail et aussi, donc par rapport aux personnes autrement capables, le quota l'ITIN met en place. Je ne pense pas qu'il est assez être efficient à un moment donné. Est-ce qu'il y a l'Alliance nationale pour augmenter sa quota là? Nous, pas pour augmenter dans le sens qu'il faut augmenter, nous pour rendre plus efficace, nous pour faire qui ça dit mon là, qui dit autrement capable ou dit capable. Li vin un dimoun qui employable pour ban société, qui ban société, ban entreprise, envie employ sa tout dimoun, peu importe qu'il y ait handicap, bien un handicap ou pas. C'est ça l'objectif au final. Dans un élan national, ban employé aussi, zot bizan près zot a bizan d'un coup de main, basically. Et nous constatons qu'il y a plusieurs ban employeurs zot réticents pour jouer les jeux. Et pour faire un appel sincère, écoutez, ban employeur, ça ban di moun la, zot ena ban difficulté dans zot la vie. Zot pe envie contribuer dans le développement économique. A nous donne zot sens. Nous prenons notre appel, Rangan de Port-Louis, bonsoir. Bonsoir les invités. Nous rentrons dans une boulangerie, nous rentrons dans la petite place qui était, nous venons bagager ici, ben l'Indien, ben Sri Lankais, puis travail. Vous avez mis la loi, nous venons sommer à Mauritien, on n'a pas la vie civile, vous avez un emploi qui vous a gagné et qu'elle n'a pas été honorable. Nous finons améliorer beaucoup de conditions de travail. Nous finons revoir à la hausse
ban salaire dans différents secteurs, y compris boulangerie. Maintenant, ça monsieur-là, il peut dire que Mauricien n'est pas intéressé. Tous les jours, me trouve ban advertisement, le journal, Perrot, ban pâtissier, boulanger, tout ça. Écoutez, si Dimoun là, vraiment m'y intéressé pour le prendre, sa travail là, pour le faire, sa man travail là, il suffit qu'il aille vers sa man employé là, dire, moi intéressé pour travail. Mais peut-être parce qu'il est mal payé, job là. Ben, par contre, ban Dimoun qui travaille dans boulangerie, et la man horaire, pas comme les autres, de t'appeler à travailler. Comment je travaille? 10h du matin, jusqu'à 5h du matin. Et n'a pas beaucoup de Dimoun, hein, dans Maurice maintenant, qui sont favorables à sa bonne qualité condition là. Il y a une question de mentalité encore une fois. Nous prenons le appel, Chan de Saint-Pierre, bonsoir. Bonsoir, tout bon invité, bonsoir, tout bon auditeur Radio Plus. Moi, mon question, c'est directement au ministre Kalichan. Moi, je vous demande, lui, est-ce qu'il un ban jeune qui participe dans un programme comme Ayet, est-ce qu'il ça va pas être le contrat? Est-ce qu'il peut conduire comme je dis dans un emploi là? Ça, un deuxième affaire. C'est comment dire, le contrat fini et MSM pas retourner au pouvoir. Et ça va jeune, le contrat fini pour mettre des hauts. Là, le chômage pourrait monter. Nous pas pratique politique de vengeance. Tout ban di moun qui fin recruté, jeune fin recruté, tiena ban mauvais pratique qui t'in fait par l'ancien gouvernement. C'est pour ça, le recrutement, le processus de recrutement, pas t'in fait dans ban nos principes qui t'in bizarre faire. À cause ça, t'in prend la décision, mais par la suite qui n'arrivait. Il y en a beaucoup dans d'autres qui finette recruté. En ce qui concerne jeunes qui l'OIEP, Mofin répond tout à l'heure là, qui 85% de sa man jeunes qui tout sa man programme. Si vous perdez gouvernement, si vous perdez pouvoir, est-ce qui the job safe? Mais bien sûr. C'est un contrat signé. À moins gouvernement, bon pas quoi nous pour perdre gouvernement, à moins qui gouvernement qui peut venir, il y en a dans l'esprit pour pousse vengeance et vous pouvez comprendre, à moins ça nous pour guetter plus divin. Donc, pour répondre à ce qui s'est audité là, et c'est une crainte légitime qu'il expose aujourd'hui, c'est il peut venir dire, ben, du monde qui est au contrat. Donc, comment tu as l'air, tu peux cause ben, travail précaire. Donc, du monde là, il est au contrat, il ne connaît pas l'endimé qu'il peut faire, qui peut être là. Mais, il y a une autre question qui me reprend ce que le ministre peut dire là, c'est qu'il quand même. Le ministre annonce 85% des bandes du monde qui ont fait le travail. Fini le travail. Bien. Mais si je reprends aussi, monsieur le ministre, qu'on annonce plus, combien 25 000 25 et quelques mille qui sont enregistrés, mais il n'y a pas nécessairement. Qui tout du monde qui est enregistré. Non, 25 du monde qui est enregistré. 25 000 qui ont fait le travail. 85% qui ont fait le travail. 85% de 25 000 qui ont fait le travail. Mais comment on trouve le chiffre du chômage encore donc il pas pena non qui continuellement chaque année ou d'un ban nouveau jeune qui fait degré de vin au marché de travail monsieur le ministre sous cause qui quand même nous peut dire qui dynamique c'est pas dynamique mais la création d'emplois aussi aurait dû être dynamique nous prend pas dynamique aujourd'hui ne n'existe moins est-ce que 5000 emplois qui créent en totalité c'est là justement te paye adresse vraiment la question. Le marché de l'emploi est indissociable de l'économie. Si l'économie n'est pas bon, nous pas pour travail. Et nous pouvons retourner dans une situation à Maurice, quand la productivité est en chute libre, Zordi, où Gued nous balance des paiements, nous paye importe beaucoup plus qu'il nous paye produire. Majorité nous légumes paye importer. Pourtant, nous avons la terre agricole, on est capable de faire tout ça là. Le panier de la ménagère devient l'hypévine plissée à deux jours en jour parce que nous totalement exposés au risque des fluctuations du marché international. Donc, quand UP cause l'emploi et la précarité, qui est une question fondamentale, hein, UP cause en réalité la question de la productivité économique à Maurice. Est-ce qu'Avinash Manoa et Yannick Connect prêts pour prendre l'engagement qu'ici, l'un d'entre eux gagne le prochain gouvernement, est-ce qu'ils ont pour God, ben du monde qui le contrat? Est-ce qu'il y a prend ça l'engagement là ce soir ou je dis qu'UP cause précarité d'emploi et ben travaille le contrat? Donc, nous, l'engagement qui nous prend, du monde qui le contrat aujourd'hui. Donc, c'est ban travail qui ban créé. Contrat, c'est quoi?
Aujourd'hui, nous disons prendre une affaire bien simple. Beaucoup du monde, le gouvernement n'est pas prêt à mettre le contrat et créer. Si le qui travail. Qui travaille du monde là pour Déo, Yannick Connet. Nous disons connaître qui travaille du monde à gagner le contrat. Comment on dit aujourd'hui, si nous gagnons, le gouvernement n'est pas créé 6 000 emplois dans le secteur gouvernemental. Nous disons connaître. Qui ça va poser qui crée là, nous pas capable de un langage. Bon, aujourd'hui, si maintenant il prend 50 MSE pour faire travail 10 dimoune, nous pas capable de garantir qui ça 40 travail, qui le contrat, qui je t'ai fait donner récemment et non pour certains qui peut récréer dimoune à l'appel, nous pas garantir qui se. Mais ce qui nous garantit, nous, c'est qui ça va jeune, qui a compétence, qui a qualification, nous pour faire ce gain de travail. Le secteur, comment nous dire, l'économie. Bizin. Avec ou pour prendre un engagement. Je peux dire une ces affaires, Rosaina. Jamais le MMM intome dans une politique de vengeance. Nous, c'est la vie. Nous connaissons qu'un emploi, c'est la vie d'Indimoun, c'est la vie d'une famille qui est en jeu. Jamais MMM intome dans vengeance. Moi, j'espère que la population fine écoute bien ce qu'il y a ni connaître fin dire. L'IPAN prend l'engagement, lui dire noir guetté. Noir guetté, qui ça veut dire se tient sa propre conclusion. Parce qu'il. Politique de vengeance, litine dans 10 ans, PTR, PMST. Monsieur le ministre, si vous pouvez dire, moi, mon Dieu, nous pas qu'à garantir qu'il nous pourgode l'emploi, ben l'emploi qui sa gouvernement-là, il crée pour donner cadeau du monde. Non, de toute façon, l'emploi pas fini créé pour donner cadeau du monde. Service, ou pour cause MSO. MSO, c'est recrutement, il fait par PSI, il n'est pas le contrat. Tout ça, ben l'emploi fini créé dans le secteur public. C'est PSI qui finit créer et finit recruter. Ou peut dire moi, contrat, d'ailleurs, la loi travail, il prévoit qu'il y a des gens qui le contrat, si je ne fais plus qu'il descend, je deviens permanent and pensionable. De toute façon, si même le parti travaille et permet de venir au pouvoir, ce n'est pas qu'à faire. Nous prenons un prochain appel, Jamal Khan de Rosy. Bonsoir. Allô, bonsoir. Ma question, c'est la suivante. Monsieur le ministre Pédien qui te demande une BP. Je vous dis que c'est une chose fausse. Parce que vous connaissez qui fait. Monsieur le ministre, vous pouvez dire qu'il y a une bonne une rente de travail. Dans le gouvernement, tout. Mais si c'est un contrat de 10 ans, après, je serai retourné sur Mars. Qui vous avez dit là? C'est que vous avez dit que tout le jeune qui fait plus que 10 ans, vous êtes considéré comme permanent. Ce que vous pouvez dire là, effectivement, si dans la loi 2008, quand il y a une break dans le contrat, là, l'employeur peut servir sa provision là pour mettre 10 moun déo. Nous finissons de rectifier ce problème là, mon frère. Ou bien, pas casse la tête. Un dernier appel avant de nous terminer l'émission. Vichou de Rosebel, bonsoir. Alors oui, et bonsoir tout le monde invité dans Radio Plus. Et mon bon avis qui, M. Sudeskalisen, cause ancien gouvernement, ce qu'il fait, mon avis cause ce qui, comme on pour l'année 2014, et depuis aujourd'hui, actuellement, combien de taux de chômage il y a aujourd'hui? Et quand le gouvernement MSM promet 10 000 emplois par l'année? Le taux de chômage vient diminuer, monsieur. Bon, regardez, si vous finissez écoute l'émission depuis le commencement, nous vient bien explique-nous l'eau qui fait taux de chômage vient diminuer. Et taux de chômage vient diminuer sous sa gouvernement, là, pas sous gouvernement. Il y a un commentaire intéressant là-dedans. Mm. Le taux de chômage diminue, pas le chômage. Ouais. C'est pas la même chose. Est-ce que je calais le chômage? Non, non, on dit le taux de chômage. La nous guette le nombre de mandimoun actifs sur le marché du travail, les 583 800 personnes, comparativement à 2010. Côte Liti, 551 000. Monsieur Kalichen, Enzen Lokat au Somaz, nous pouvons payer votre promesse pension là. Enzen Lokat au Somaz, qui vous proposez? Premier ministre, Finfek annoncé qu'il pourrait la création de 10 000 emplois. Dans le secteur public. Mesure, comment on dit ou pas pour dévoiler, quand on dit ou pas pour dévoiler ou stratégie, nous avons une mesure qui peut venir. Dans nos manifestes électoraux. Mais qui fait le latin 5 ans pour être à bonne mesure? Ou pas propose pour dévoiler ce qu'il y a dans le programme électoral. Qui fait nous bisa dévoiler. Nous, depuis 15 ans, le même ne peut au pouvoir. Et clairement, nous trouver qu'il nous paye une dégradée. Si. Clairement, nous trouver. Paul Bérangé est au pouvoir comme Premier ministre entre 2003 à 2005. Me pose. La population
une seule question. Combien l'emploi t'in créé à l'époque-là? Monsieur Galichon, me répond où l'eau secondaire? ICT t'in créé à l'époque-là. Ça a l'air où Jagnat encore une fois? Vous pouvez dire, premier ministre, les tient ensemble avec vous. Allez-vous, Jagnat? C'est qui tient moi, mon cas, j'ai aujourd'hui la situation dans le tourisme, elle est très grave. Nous avons une compagnie fleuron du secteur, le groupe Sun, qui annonce un piètre recours d'1,9 milliard de roupies et n'a 4100 emplois en danger. Donc, comment nous pouvons faire? Premier ministre annonce 10 000 emplois, création de 10 000 emplois. Le chômage, c'est un peu nous continuons à débattre, mais ce n'est pas avance des potes qui va le chiffre ou dire les pays. Est-ce qu'il va le chiffre là, les officiels? Est-ce qu'il finit na perte d'emploi dans le secteur du tourisme? C'est ce qui va faire cette conférence. Il y a des chiffres qui nous capables de continuer à discuter jusqu'à la campagne électorale finie. Je suis jeune, je suis gradué, mais chômeur qui fait un mobilisant vote l'Alliance Mauricien Soudèche Kalichun. Ou il y a 1 minute 30 pour faire au mot de la fin et dire, répondre à sa question là. Ce gouvernement là fait beaucoup pour les jeunes. En termes de création d'emploi, un jeune fin gagne travail et nous fin mettre un programme de formation gratuit pour les jeunes, nous fin mettre un STP. Quand nous donne l'occasion aux jeunes qui malheureusement fin fait from 5 ou pas fin en a un parcours académique brillant, nous donne juste l'opportunité pour être formé et pour prendre un travail qui existe sur le marché du travail. Et les mots un travail qui existe sur le marché du travail, nous peut cause dans le secteur de ICT, l'hôtellerie, il y a plusieurs les autres secteurs, nous faisons créer un polytechnique. Un polytechnique, c'est-à-dire où gagne l'occasion à gagner une formation gratuite dans nursing, ICT, l'hôtellerie. Et pas juste Bandimoun qui peine un parcours académique brillant, ban jeune qui ne fait forme 5, je pour gagner l'occasion à travers sa polytechnique là, suivre un cours un an et quand même à faire un degré par la suite. Alors, nous fin mettre une panoplie de ban mesures à la disposition de ban jeune dans sa pays là pour qui je intégrer le marché du travail. Le gros travail n'est pas encore fini. Le gros travail rapidement pour continuer si nous gagnons un deuxième mandat. Merci. Connaître, je suis gradué, mais chômeur qui fait mon besoin de vote à l'Alliance nationale. Donc, première affaire qui m'a pu dire, l'Alliance nationale ne peut venir avec un programme de rupture. T'allais là, nous donne, monsieur le ministre, pour une garantie. Nous, c'est la garantie qui nous donne 10 moun. C'est vraiment une politique de rupture. Le gouvernement actuel peut faire campagne, l'eau dire qui politique de vengeance, politique de vengeance. Nous pas pour mettre Jimoun dehors. Comment je peux penser, je peux faire campagne partout. L'Alliance nationale pour venir, ou gagne un travail, qui ou le contrat, ou qui ou fait rendre de travail. Bana comment venir pour mettre tout dehors, ça menti. C'est à cause de ça que nous programmes est basé sur la rupture. Ban jeunes, nous pouvons permettre de gagner une formation pour revaloriser autres. Revalorise le travail. Revalorise qui bandimoun qui envie progresser, bandimoun qui a l'ambition. Si vous avez l'ambition, vous avez la créativité et vous avez envie d'être un entrepreneur, l'Alliance nationale pour un programme pour permettre d'atteindre sa objectif là. Comment nous dire pour une chambre de métier. 10 000 emplois, Pravin Jagnet a annoncé combien je dois pour créer. Nous pas pour une cause. Si combien nous pour créer. Ancien gouvernement qui cause 25 000 emplois dans Blue Economy, nous avons trouvé un vin. Donc, nous avons trouvé un. Nous ne pouvons pas promettre du monde, nous pouvons nous faire ça. Nous pouvons promettre du monde, nous pouvons nous faire des outils pour permettre que du monde envie d'employer. Nous pouvons amener un boom dans l'économie, permettre l'économie respirer, parce que ce gouvernement a été un gouvernement catastrophe. Tout secteur, tout pilier, l'économie est écrasé. Je suis jeune, je suis gradué, mais chômeur, qui fait mon besoin de vote le même. Je suis jeune, je suis gradué, je suis chômeur. Enzen lo 4 au chômage. Clairement, la situation catastrophique. Maurice a un crossroad de nos histoires. Après 50 ans d'indépendance, il arrive l'ère qui nous commence à moderniser nos pays et nous change
nos notions mêmes de développement, pour inclure tout le monde. Le travail des jeunes, c'est le premier pas dans la vie, c'est le premier pas vers la liberté pour Banzénès. Le nain population vieillissante nous bisin un power, la jeunesse, pour prendre son responsabilité, pour prendre son essor, pour prendre son destin en main. L'emploi, c'est une face de la médaille. L'autre face, c'est l'économie. Nous, ban secteur productif, pas bien. Nos productivités en chute libre. Nous, pétini, plus ou moins, grâce à un secteur offshore qui lui-même peut commencer à vaciller. Une vine urgent qui nous repense notre modèle de développement. Une vine urgent qui nous relance la productivité. Et la jeunesse, donc l'emploi, bizin trouve sa place pleine dans cette relance. Sa place pleine dans la reconstruction de notre économie et de nos pays. C'est ce que le MMM proposera pour ces élections. Messieurs, merci pour votre participation dans nos plateaux. Merci à nous merci pour cette émission. Merci à la technique. Merci à Yannick et Antich. On vous retrouve Eshan, Dinali et Jane Lutchmaya demain à partir de 16h50 pour une autre émission au cœur de la campagne. Bonne soirée sur les plateformes du Défi Média Groupe.